Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel et tu es Angel. Je suis là pour te motiver, pour que tu puisses te surpasser tous les jours. Cette année, c'est une année où tu dois te surpasser. Ne laisse pas cette année passer juste de même, en disant que oh, l'année a passé vite, hein. Oh, on est déjà en décembre. Non, ne sois pas parmi ces personnes qui n'ont rien accompli pendant l'année et s'étonnent que décembre est déjà arrivé. Sois sûr que tous les mois tu t'accomplis, sois sûr que tous les mois tu travailles sur tes projets, tu travailles sur quelque chose. Même si tu as un salaire à travail, même si tu travailles dans une entreprise, que tu es salarié, la journée travaille sur ton salaire pour payer tes factures, mais le soir travaille sur ta fortune. Parce qu'on peut te licencier de ton emploi, mais personne ne peut te licencier de ta fortune. Alors, je suis dans la série des 5 raisons pour lesquelles les gens échouent. 5 raisons pour lesquelles les gens échouent dans la vie. Je vous ai donné déjà 4 raisons, je vous donne la 5e raison. Et cette 5e raison, c'est la procrastination. Malheureusement, nous sommes dans une société qui procrastine énormément. On procrastine énormément. Procrastiner, c'est faire exactement ce que tu ne dois pas faire. Beaucoup de personnes, vous savez, n'arrive pas à réussir dans la vie. Quand je parle de réussite encore, j'aimerais le mentionner, ce n'est pas forcément réussite financière. C'est réussite dans tous les domaines, dans la famille, réussite avec les enfants, réussite partout. C'est la procrastination. Perdre du temps, la procrastination. Tu es censé faire quelque chose, mais tu fais exactement autre chose. Tu perds du temps dans ton téléphone, tu perds du temps sur les médias sociaux, tu perds du temps à la télévision, tu perds du temps. Tu perds tellement de temps qu'on ne sait même pas. Tu perds du temps. Alors j'aimerais te dire, arrête donc de procrastiner. Et ça, c'est l'une des raisons fatales pourquoi les gens ne réussissent pas, parce qu'ils procrastinent. Ils passent des heures et des heures dans le divertissement. Ils passent des heures. Vous savez, je n'ai rien contre le divertissement. Je suis d'accord que dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Vous savez, mon livre favori dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour s'amuser. Mais le problème avec notre génération, c'est que le temps pour s'amuser dépasse largement le temps de travail. Et c'est pour ça que les gens ne réussissent pas. Tu es en train de m'écouter. Peut-être ça fait longtemps, ça fait peut-être 3 heures que tu es assis devant la télé. Ça fait 3 heures que tu as ton téléphone à la main, tu ne sais pas quoi. Ça fait combien de temps que tu es là? Tu procrastines. Vous savez, la procrastination vient quand on ne sait pas quoi faire. Le stress, ça vient d'abord par le stress. Quand tu es stressé, après tu procrastines parce que tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas comment. Non, arrête de procrastiner. Plusieurs personnes, je le répète encore, si tu lâches ton téléphone, tu auras du succès. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de m'écouter. Si tu lâches WhatsApp, tu auras du succès. Si tu lâches la télévision, tu auras du succès. Mais le problème, c'est que tu n'es pas prêt à lâcher ça, tu procrastines. Et voici que ta vie est là. Ça fait 5 ans que tu es à la même place. Ça fait 10 ans que tu es à la même place. Tu n'es pas fatigué, tu n'en as pas marre. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Tu n'as pas marre d'être au même niveau. Je rencontre plusieurs personnes qui viennent me voir pour des séances de coaching et ils me disent, ça fait 25 ans que je suis dans le même travail, je n'ai jamais eu d'augmentation, je suis là. Ça fait 25 ans que tu es là et tu es au même niveau, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. J'aimerais te dire donc, arrête de procrastiner. Travaille pour ce que tu veux. Il est inadmissible que tu aies là des années. Tu es à la même place. Tu es au même niveau. Rien ne change. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Fais quelque chose. Tu dois bouger quand même. Alors cette année, c'est une année où tu dois arrêter la procrastination. Arrête de, je répète encore, certaines personnes, si tu lâches ton téléphone, tu vas réussir. Si tu lâches Facebook, tu vas réussir. Si tu lâches les médias, tu vas réussir. Alors pendant les prochains 6 mois, lâche toutes les distractions et travaille pour ce en quoi tu crois, ce que tu veux. Arrête la procrastination, travaille pour ce en quoi tu crois. Vous savez, n'aie pas peur. J'ai une citation que j'aime bien dire. Un bateau sur le quai est en sécurité, mais ce n'est pas pour cette raison que le bateau a été conçu. Un bateau sur le quai est en sécurité, mais ce n'est pas pour cette raison que le bateau a été conçu. Le bateau a été conçu pour aller dans la mer. Alors arrête de procrastiner et vas-y, va dans la mer. Alors c'était tout pour aujourd'hui. C'était ton motivateur personnel, Angel King. On se voit dans une prochaine vidéo.